précédemment dans Hardline. Tu pensais vraiment pouvoir m'échapper, Mendoza? Dose venait sans doute aux nouvelles. Si on arrive à le planquer dans une de ses valises, on pourra le suivre. Tu veux voler le fric de Dose avant qu'il ait le temps de le blanchir? Vous allez bien kiffer! Bam! C'est quoi ça? C'est là que Dose garde son argent sale. Oh putain, le coffre est ouvert. En arrière! On n'a pas fini. Moi, j'ai pas fini. Dans ce cas, je t'attends. Viens donc me retrouver. Un médecin. Quoi? Tu veux dire un médecin d'hôpital? Si je traîne là-bas, on finira tous les dents tôt. Non, pas l'hôpital. Eh, merde! Tu vois pas que c'est un piège? Évidemment que c'est un piège. Alors reste pas là. Je m'occupe de Dose. Non. On le finit ensemble. Oh. Ok, ok, attendez. Faut qu'on l'emmène ailleurs tout de suite. Alors vas-y. Eh, hey, Boomer n'est pas d'ici. Toi, tu connais des docteurs clandestins, pas lui. Pourquoi tu fais tout ça? Dose n'en vaut pas la chandelle. Il n'y a aucun moyen de s'en tirer comme ça après ce qu'on a fait. Dose ne lâchera jamais. Rien l'arrêtera. Sans compter que... je suis un criminel évadé recherché dans 3 états. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Remonte dans le bateau. Kai... c'est ce qu'il fait. Merde. C'était cool de bosser avec toi, Nick. Désolé de rater le bouquet final. Une prochaine fois. Ouais. Une prochaine fois. Toujours un vrai merdier avec toi, hein, Mendoza. Je sais pas faire autrement. Eh bien, salut tout le monde! Certes, Vec, on se retrouve aujourd'hui pour certainement l'épisode final. Un petit peu moins fort. Donc, certainement l'épisode final, épisode 10, Héritage. Alors, on a pu voir que le Tyson, il est vraiment pas bien, pleine hémorragie là. Il a du sang dans les yeux carrément. Il est vraiment pas très très bien. Un petit peu moins fort. Si mon micro est trop fort, parce que j'ai téléchargé une nouvelle version du logiciel de Elgato. Et à chaque fois que vous téléchargez une version, il faut remettre tous les paramètres. Donc c'est un peu énervant. Mais bon. J'essaie de contourner. Alors à mon avis là, ça va être tendu, hein. À mon avis il va y avoir du mec à foison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Enfilez vos gilets, vérifiez que tout le monde a des chargeurs supplémentaires. Faites 2 fois les vérifications. Vous savez pas ça? Il se passe entre les quoi?
Ah merde. Ah non mais ils sont sérieux les mecs, ils m'ont vu. Les mecs ils m'ont vu comme ça là. C'est abusé ça. Les mecs ils me voient direct là. Bon c'est pas grave. J'espère que le son du jeu n'est pas trop fort non plus. Je suis arrivé sur l'île, capitaine. C'est assez utile. Très utile. Ravi d'apprendre qu'on est sur la même longueur d'onde. Comment tu vas, fiston? Là, j'ai l'impression que... ouais... Je vous le dirai très bientôt. Le logiciel de Legato est en train de merder un peu, là. Putain, ça marchait très bien avant. C'est pour ça que je fais jamais les mises à jour. C'est... À chaque fois que vous faites des mises à jour, ils vous remettent des trucs de merde. Quand vous avez une bonne version, faut vraiment la garder. Hein. Faut surtout pas. Surtout pas la perdre, en mettre une autre qui bug. Là. C'est ça, t'as fait demi-tour. C'était rien. Putain, j'ai eu du bol. Sérieusement. Par ici. Y a un type mort de ce ok, mon vu. Putain, il y a une alarme. Il y a une alarme, je suis pas bien. Il sonne bien fort le truc, hein. Où est-ce qu'on éteint l'alarme? Elle est où l'alarme? Ok, l'arme s'est éteinte. Heureusement. Il y a des trucs là-dedans. À mon avis, c'est dans la pièce. Ok. On va reprendre des munitions. Voilà. Puis on est reparti. À mon avis, là, le dos, il va être bien gardé. Il a dû mettre une paire de garde du corps, parce qu'il sait qu'on allait arriver. Grâce à moi, est-ce qu'il se passerait si je suis rayé du paysage? J'ai pas vraiment réfléchi à tout ça, capitaine. Ça se voit. Si nous mettent une caisse de munitions ici, ça veut tout dire. Avec le petit logo qui clignote. On va essayer de prendre un sniper peut-être. Je vois qu'on a une sacrée vue. Une bonne vue en hauteur à mon avis. Le sniper il peut être utile. Et bah voilà, on va prendre le knockout. Hop. En plus on s'emmerde pas avec le knockout, le silencieux il est déjà dessus. Ok, encore un mec à pas tuer. J'essaie de voir si je vois pas les systèmes d'alarme.
Oh non, mais j'aurais mon vie. Avec un silencieux. Non. C'est un peu nimp, là, je trouve, quand même. Allez, sortez! Mec, ils sortent pas là, ils sont planqués. Il en a pété l'alarme. Les mecs, ils se planquent, moi, bon, c'est tout. On va reprendre une arme. On va reprendre une arme et puis on va y aller. Allez, let's go. L'autre, faut essayer de lui mettre les menottes, à mon avis, ça va être dur. Par ici. Oh là, comment ils arrivent à me voir? Les mecs, ils font que de courir. Oh là là, la visée. J'aurais dû mettre un viseur. J'avoue. Le mec il se barre. Essaye de contourner. Le mec il se barre. Ça va être dur de l'avoir sans tuer. Ah oh, mais mec, ils ont mis une vitre ici là. Ça va être dur de le choper à mon avis. Hein. Putain, il sait où je suis, hein. Bon mec, au bout d'un moment, je veux dire, je veux pas te courir dessus pendant 2 heures. Non mais, putain, mais c'est quoi ce délire, là? Le mec, il se barre, là, putain.
Voilà, coup de matraque dans ta gueule. Enculé ! Il m'a saoulé, bien. Mais carrément. Il m'a bien, bien saoulé. Allez, on se barre. J'aurais pu essayer de l'avoir, mais j'ai pas envie de courir dessus pendant une heure. Le mec, il arrêtait pas de courir. Là. D'un moment, faut dire stop. Il jouait un petit peu trop avec mes nerfs, je pense. Bientôt d'avis. Allez, il est où le dose là. Ok, d'accord, et pour descendre maintenant. Ok, j'ai juste voulu essayer de contourner le passage, mais en fait, non, pas du tout. En fait, il pisse dessus, littéralement. Très bien. Allez. Toc 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 toc. Tu vas prendre quoi? On va reprendre le G36. Alors, on va reprendre le G36. C'était pas mal. Même si les armes valent à peu près toute la même chose. Je vais passer par où les mecs? Je vais utiliser le grappin ou... Il y a peut-être moyen. Putain mais c'est chiant ça, faut se mettre vraiment devant. Grappin. Ok. Ah, on a débloqué M16. On prend le M16, mec. Ah bah voilà, on a déjà, il est déjà équipé. Est-ce qu'on a des... Est-ce qu'on a des accessoires dessus? Bien sûr, petit chargeur. Canon lourd. Petite poignée. Voilà, c'est pas trop mal. C'est pas mal. Allez, grimpe mon bichon. Tu y es presque. Alors, il y a rien à faire. Non. Ok. Très très bien. Allez, qu'est-ce qu'il y a là? Très bien. Un petit trophée en argent, c'est pas mal. Petit trophée en argent. J'aurais peut-être dû prendre un gun avec un silencieux. Un petit gun avec un silencieux, ça aurait pu être pas mal. Ah d'accord, je suis planqué mais ça va me voir, tu sais. Va comprendre.
Et bah il est pas mal ce petit M16 là. Je m'en occupe. En plus il recharge assez rapidement. Oh la vache les mecs. Là il y a du monde. Là il y a vraiment vraiment du monde. Carnage. Ah, ils ont mis des lacrymos. Ah, puis il fait que d'en revenir là en fait. Ils sont où? Ok, donc là, ce que je viens de faire, c'est de la merde. En fait, je vais monter un peu pour rien. Le voilà. Quoique, non, c'est bien, je vais pouvoir les avoir d'en haut. T'es incroyable, toi, ma gueule. Nick, j'aurais dû en faire plus pour te trouver une place parmi vous. Fallait vous y prendre plus tôt. Je laisserai la porte de mon bureau ouverte. Par où je descends? Ok. Comme ça. Alors, est-ce que c'est la fin, les mecs? Technique impressionnante, mais complètement inutile. Je n'ai pas d'armes. Ça m'étonnerait beaucoup. Hé, hé! Gardez les mains en étant. Sérieusement, tu vas faire quoi, le coffre? On va te buter! Oui. J'ai vu ce que tu as fait à ce moment-là. Et tu as. Bastos en pleine bouche, ma gueule! Putain, la musique, elle est trop forte comparée au son, c'est un truc de ouf! Pourtant, je crois pas que t'aies le courage d'abattre le son. On n'entend rien? Attendez, juste deux secondes. On peut pas baisser le son de la musique? Non, apparemment. Bon bah c'est tout. La musique est vraiment trop forte, on n'entend rien de ce qu'ils disent les mecs. Si tu voulais vraiment me tuer, tu l'aurais déjà fait. Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment, Nick? Ta thune. Ta femme. Tout dépend de toi. Et ton 4 buts. Allez, Raboul! Entre dans le vif du sujet. Quelle est votre offre? Le monde de Riens. Tu m'aides à diriger le bon fonctionnement des opérations. Tu me succèdes à mon époux. Je crois avoir démontré que votre affaire avait quelques légers dysfonctionnements. Alors tu peux les régler. Hein? Regarde autour de toi. Tu es venu seul. Pourquoi? Mes amis avaient d'autres projets. Non, non, tu les as renvoyés. Tu vois, tu as enfin compris. Ah d'accord, là, il n'y a plus de musique. T'es comme moi. Tu es plus criminel que flic. Est-ce que c'était un gros bug? À mon avis, c'est un gros bug du jeu. Vous savez quoi? Je suis d'accord. Allez, tiens, mange. Dans le cœur. Ah ouais d'accord, le mec bastos dans le cœur, il est encore vivant. Ta mère va bien, Nick. Tiens, Nick Tara. Enfoiré, bastos en pleine tête.
Et ben voilà, attrapé Dawes, donc à mon avis là, c'est fini mec. Alors Nick, quand t'as appuyé sur la gâchette, j'ai eu l'air surpris. Ah ouais, le mec il avait fait un testament en fait. Derrière mon bureau, elle dissimule un passage. Ouvre-le. Le mec il avait fait un petit testament et tout. Je t'ai piégé parce que je ne te croyais pas pragmatique. Les braves types comme toi ne le sont jamais. Je t'ai invité à venir ici parce que j'espérais me tromper. J'espérais pouvoir te sauver. Ouh là là. Ça pue un peu les mecs. Service rendu, argent distribué. Il est vraiment mort, ouais. Bah oui, il est vraiment mort. J'étais en train de m'assurer s'il était vraiment mort. Je pense, hein, une balle dans la tête et une dans le cœur, je pense que. Avec laquelle ils ont coopéré. Et pas parce que ce sont des sales types. J'annonce, je peux pas courir, hein. Je suis à fond. Mes clients vendent des produits que des millions de personnes réclament. J'ai réduit les risques. Pour les flics, les criminels, pour tout le monde. Et tout le monde acceptait de regarder ailleurs. Ouh là là, ce serait pas la porte de la banque. Y aura-t-il pas un gros magot derrière? La réponse. D'accord, faut faire 50 tours pour ouvrir. Ouh là, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un appart. Ce que j'ai mis en place est indestructible. Il y a trop d'intérêt en jeu. C'est un putain de bunker. Trop de réputation. Eh bien, félicitations, inspecteur. Voilà, c'est la fin, les mecs. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu comptes faire avec? Eh bien, voilà, les amis. Fin de l'épisode 10, ouais, l'épisode suivant. Donc apparemment, il y aura un épisode 11. C'est bizarre, je sais pas, on va voir. On va voir, je suis pas sûr. Passer. C'est bizarre. Est-ce qu'il y aura pas une petite animation, un truc comme ça? Non, pas du tout. Ok. Bon, bah je pensais qu'il y, avait, il y aurait une petite animation de fin, je sais pas, voir Kai et tout. Non, bah apparemment non. Bon, la petite fin était quand même un peu space, le mec qui trouve le magot et tout, puis c'est fini quoi. On sait pas trop ce qu'il va faire avec la thune. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce let's play sur Battlefield vous aura plu. Moi j'ai, franchement ça va, j'ai kiffé quand même. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et sinon moi je vous dis à la prochaine, donc on sera toujours sur le let's play de Batman. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.